Une certaine un peu une nostalgie peut-être, je sais pas, tu vois, du son du pop d'il y a 10-15 ans, quoi. Bah, clairement, ceux qui kiffaient les 90s, quoi, ça c'est clair. C'est sûr qu'on est resté un peu au niveau musical, on est resté un peu Keblo là-dedans, sur ce projet-là en tout cas. Et après, ça s'adresse à tout le monde, quoi, à tous les gens que ça peut intéresser, mais c'est vrai qu'il y a cette grosse référence-là quand même. Après, on essaie toujours de mêler le côté musical au maximum, quoi. Tout en gardant un côté percutant comme ça, bah, ça parle à ceux qui aiment le hip-hop et ça peut aussi toucher des personnes qui aiment vraiment la musique, le jazz, etc. Enfin, ça peut leur parler, donc on essaie vraiment de mêler ça, quoi. Mais à la base, c'est peut-être plus un délire un peu égoïste, quoi, c'est ce que de là, quoi.